moindre domaine, la moindre chose, la moindre ligne dans un bouquin. Je connais tout, absolument tout. La vie a-t-elle encore un sens ? Bon ben, j'ai pas le choix, je vais devoir invoquer le diable. On me demande souvent de parler de Méphistophélès. Évidemment, c'est un nom que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, mais personne ne connaît vraiment son histoire. Eh bien, c'est normal, parce que ce démon n'existe pas. Il a été inventé pour l'histoire d'une pièce de théâtre. Il ne fait donc pas partie des démons de la religion. En fait, si les gens pensent que c'est un véritable démon de la démonologie, c'est peut-être pour deux raisons. Colin de Plancy en parle dans son dictionnaire infernal. Du moins dans une de ses versions, car elle n'est pas présente dans la version de 1818. Il est dit qu'il est méchant, qu'il insulte jusqu'à ce qu'on en chiale et qu'il kiffe faire le mal. Et l'information que l'on retrouve le plus souvent sur divers sites et qui vient sûrement de là, ce serait, après Satan, le plus redoutable meneur de l'enfer. Le problème dans tout ça, c'est que de Plancy dit bien au début de son paragraphe que c'est le démon de Faust, donc le démon d'une histoire. Du coup, j'ai l'impression que beaucoup ont pris cela comme la réalité. Et j'ai une petite théorie pour la deuxième raison. Attention, information à vérifier. Sur le site Journal d'une démonologue, il est écrit que le sorcier Naïma Neftis en parle, comme quoi il serait lieutenant et ministre de la culture en enfer. Je cherche un peu des informations sur lui, et je découvre que c'est l'auteur du fameux « Le prince de ce monde ». Ça vient peut-être de là également qu'on dit qu'il y a sept princes en enfer. Mammon, Azazel, Belzébuth, Asmodée, Belphégor, Dispater. Celui-là, j'en ai jamais entendu parler, et les seules informations que j'ai trouvées, ça vient de Donjons et Dragons. Et enfin, Méphistophélès. Avec à leur tête Lucifer, qu'ils disent que c'est le même que Satan. Ajoutons à cela que le pseudo-monarque à Daimonium de Jean Weir, dont on utilise le plus souvent sa hiérarchie démoniaque pour parler d'un démon, ne le mentionne même pas. Il n'est pas présent également dans le Lemegeton, aka la petite clé de Salomon. Donc déjà, s'il n'est pas présent chez eux, c'est que ça pue du cul. Ni présent dans ces bouquins importants de la démonologie, ni présent dans la Bible, désolé mais pour moi c'est pas normal. Donc au final, Méphistophélès, il y a juste un mec important, parce qu'il a écrit le prince de ce monde qui est devenu connu, qui en parle à la fin du XXe siècle, le prenant pour un véritable démon. Bon, bien sûr, il y a d'autres démonologues un peu inconnus qui en parlent et y croient, mais j'ai un peu de mal à leur accorder du crédit. Donc non les gars, désolé, mais Mephisto, ben, c'est que de la fiction. Juste un personnage d'une histoire. Bon, après vous allez me dire que la Bible c'est aussi une histoire inventée par les hommes. Les deux sont écrits par l'homme, et rien ne prouve que ce qui est dit est la vérité véritable. Mais passons, l'histoire de Faust à la base c'est juste une histoire et pas une question de religion. Après je dis pas, il y a bien un Faust qui a existé. Johann George Faust, astronome, alchimiste et magicien allemand. Mais il a juste été une inspiration pour la création du personnage de l'histoire. Mais alors, quelle est donc cette histoire de Faust? On le retrouve pour la première fois dans La tragique histoire du docteur Faust, qui est, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une pièce de théâtre écrite en 1592 par l'auteur Christopher Marlowe. Elle met en scène l'histoire d'un chercheur, le docteur Faust, qui a étudié toute sa vie sur tout et n'importe quoi. Il aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, apprendre, donc il a vraiment tout étudié. Théologie, jurisprudence, astronomie, astrologie, philosophie, diverses mancies, démonologie, un paquet de sciences différentes. Et le mec, il se tape une dépression parce qu'il a réussi à tout apprendre dans la vie. Il connaît tout, mais vraiment tout ce que peut apprendre un homme. Toutes les choses qui étaient accessibles aux hommes. Il peut plus rien faire et est donc devenu, comme moi, un bon gros chômeur. Du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Quelque chose à la hauteur de son intelligence. Il invoque le diable et fait un pacte avec lui. Ouais, le mec accepte de lui vendre son âme et d'être damné pour l'éternité. En échange, pendant seulement 24 ans, il a un serviteur, Méphistophélès, sous la forme d'un moine encapuchonné, qui exauce le moindre de ses souhaits. Le mec c'est censé être le plus intelligent, il connaît tout sur tout, et il fait cette connerie. Vendre son âme éternelle contre 27 putains d'années à subir tous ses plaisirs sur Terre? Alors je dis pas, pendant 24 ans, c'est cool. Là tu peux en niquer de la gonzesse, te rouler dans des tas d'or et boire des pinces de bière toute la journée sans jamais avoir la gueule de bois. Sauf que l'éternité en étant esclave du diable, c'est pas que c'est long, mais c'est long. Voilà pour l'histoire. Après ça fait des siècles et des siècles, a été repris et re-repris dans des pièces, dans des livres, dans des fictions à la télé, et du coup il y a quelques variantes. Lorsqu'on étudie la démonologie, et sûrement la version du dictionnaire infernal de Colin de Plancy qui nous parle des démons de Faust, repris visiblement par le traité de démonologie d'Edouard Brazet, il est dit qu'il y a 7 princes démons qui sont venus voir Faust. Par contre, je ne sais pas du tout c'est dans quelle version de l'histoire qu'ils apparaissent. La première pièce de théâtre de Christopher Marlowe ou les nombreuses réécritures. On retrouve donc le diable, parfois on dit que c'est Satan, parfois on dit que c'est Lucifer. Sachant que pour beaucoup c'est la même entité, ça doit être pour ça qu'on doit retrouver parfois l'un, parfois l'autre. Il y a Méphistophélès, qui devient le serviteur de Faust, Anabri, sous la forme d'un chien noir et blanc, Drac, Dithikel, Aziel et Astoroth.
J'espère que j'ai pas cassé la croyance de certains. Sinon, tant pis. Sinon, like, partage, commentaire, Tipeee, Utip pour la thune. Et la bise.